Voilà, Frédéric, nous allons travailler l'heure de la joie de Beethoven et nous avons déjà la joie puisque nous sommes occupés à éclater de rire. Alors, ce morceau est idéal parce que non seulement il est joyeux, hein, alors qu'à la scie musicale, d'habitude, souvent on joue des choses tristes, mais aussi, surtout, parce qu'il est fait de notes conjointes, des notes qui sont proches les unes des autres. Et il y a juste 5 notes différentes. Ça va aller? Oui, on va essayer. Alors, je te donne la première note. Inférieure de ta lame, pas la partie supérieure, hein. J'ai vu que tu avais plutôt tendance à courber avec cette partie-là. C'est vraiment le C qui détermine la hauteur de la note. Voilà. 3. Alors on va commencer ensemble. 3. Un peu de l'âme dans la musique. Ah, ça c'est super important. Et comme c'est pas absolument nécessaire physiquement avec la scie ou avec le violon, on oublie souvent de le faire. Ouais. Pourtant, la scie c'est quand même l'instrument, on dit qu'il est plus semblable à la voix humaine. Donc si on ne respire pas avec la scie, c'est un peu dommage. Ok, donc tu as respiré. On va essayer de respirer ensemble avant de commencer. Comme ça, on sera tout à fait ensemble. Ouais. Je vais la première là. Ouais, on va déjà travailler ça. Alors, je ne vais pas compter 3-4. Je vais juste écouter ta respiration. Je te donne la note. Voilà. Une expérience, je me rappelle, un orchestre où des musiciens n'arrivaient pas à commencer une note ensemble. Ils sont dit, on va se regarder vraiment dans les yeux et ils n'arrivaient pas. Et le chef, il a dit, maintenant vous fermez les yeux. Et ils ont tous respiré ensemble. Paf, et la note était pile. Ouais, parce qu'on s'écoute. Ouais, parce que la respiration, ils avaient fait la respiration ensemble. Avant, c'était juste basé sur le regard. Il n'y avait pas cette respiration commune. Ouais. Donc là, on va essayer de sentir. Là, c'est bien parce que finalement, je te tourne le dos, je te vois pas. Il n'y a même pas de miroir sur le pied. Je vais juste essayer de respirer avec toi, sentir tes respirations. Calmer le jeu. Ouais. Bon, super.
Alors, petite correction, c'est au niveau de la justesse. Parfois, j'ai l'impression que tu émets le son avec l'archet avant d'être à la bonne place. Donc, si je veux émettre deux sons, je suis ici et je veux aller à ce son-là. Si je donne le coup d'archet avant d'y arriver, ça va donner ceci. Vraiment la note qui est fausse et qui est corrigée à la fin. Et on va aussi accentuer sur la glissade. Donc l'idéal, c'est de... Je fais un mouvement pas trop sec, mais décidé, et puis je donne le coup d'archet lorsque je suis sur la note. Ouais. Ok, comme ça, on aura moins la sensation de glissade, et puis ton tu vas jouer beaucoup plus juste. Bon, sinon, tu seras tout en train de glisser et de corriger. Ouais. Ce sera une glissade continuelle. Bon, déjà, on a parlé de la respiration, maintenant on parle de la justesse et des glissades. Voilà la première note. Donc, comme tout à l'heure, c'était parfait. Fais-moi vibrer. On va déjà essayer sur cette première note, parce que là, c'était super. Là. Ton petit prélude, tu viens juste faire cette note-là. Waouh. Ouais, essaye de... Imagine et prends une image. Imagine, je sais pas. Moi, là, il y a une image de fleur qui m'est venue bientôt pour toi. Là, il fait tout blanc et gris, et pourtant, il y a une fleur qui... couleurs jaunes et rouges, vertes qui me sont venues en tête pendant que tu faisais cette note. Imagine quelque chose que toi tu aimes particulièrement et essaye de, comme un peintre, quand tu peins avec ton archet, c'est un pinceau, tu vas trouver une couleur. Est-ce que tu as une image, quelque chose qui... Dis pas ce que c'est. Non, ben j'y trouverai. Ça vient non, mais... toute seule. Ah ouais, ça viendra en faisant. Ouais. Thank you.
Là, c'est pas seulement les poils, c'est quand les larmes, je sens les larmes qui commencent à. Ça, c'est que ça me touche vraiment. Ah, écoute, là, c'était beau. Alors, tu vois. Oui, je sens une image qui libère, qui laisse sortir un peu de l'émotion avec la cible. Tu vois, parfois, on est pris par des trucs complètement techniques et il faut savoir comment on mettre ta scie, comment la connaître, ouais. Comment trouver le point. Mais si à l'intérieur de toi, tu es en accord avec toi, tu trouves le centre, ben ton son ne sera jamais que l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il faut se libérer. Ouais. Mais pour se libérer, il faut d'abord se centrer. Ouais. Tu ne peux pas te libérer comme ça si tu n'as pas. Voilà, c'était beau. Bon, on refait juste pour le plaisir.